Du nouveau concernant l'avenir d'Islam Slimani en Europe. En effet, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Algérie n'a pas encore reçu une offre de prolongation de la part des dirigeants d'Anderlecht, qui a fini 11e de la Jupiler Pro League de Belgique, un peu grâce à l'avant-centre des Fennecs qui a marqué 9 buts depuis son arrivée en janvier, et surtout en 16 matchs joués dont 11 en titulaire. D'aucuns pensent que la direction d'Anderlecht ne devrait pas hésiter à prolonger le contrat d'Islam Slimani, mais elle ne l'a pas encore fait. Selon des médias européens qui précisent pourtant que le baroudeur de l'équipe d'Algérie a des offres d'au moins 3 pays du Golfe, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Mais, visiblement, l'attaquant international algérien préfère rester en Belgique ou tout au moins en Europe. Selon certaines sources, le directeur sportif du RSC Anderlecht, Jesper Fredberg, veut garder Islam Slimani pour une année. Pour lui, le buteur des Fennecs est même une priorité. Il reste à savoir si Mohamed Amin Amoura, l'international algérien du club suisse de Lugano, compte le rejoindre en Belgique et former avec Slimani un duo d'enfer dans l'attaque des Anderlechtois.